Dans le cadre de la construction de l'ouvrage, le programme de développement intégré de Samandini a offert aux populations des villages affectés par les travaux des infrastructures socio-économiques communautaires que nous présentent Marie Kahien et Karim Sissé. Nous sommes sur le site du marché du village de Marafesso dans la commune de Karangasso-Sambla. Un marché réalisé par le PEDIS dans le cadre de la construction des infrastructures socio-économiques au profit des populations déplacées. Même si ce marché n'est pas encore opérationnel, il fait déjà la fierté des habitants de ce village. Ici au moins, nous avons un marché comparativement à l'ancien village, et ce, grâce au PEDIS. On n'avait pas d'addiction d'eau potable simplifiée non plus, mais aujourd'hui, c'est une réalité. En plus de ce marché, d'autres infrastructures, comme ce lieu de culte, ce moulin et cette école de 6 classes, ont été aussi érigées. Actuellement, le village est même connecté au réseau électrique. Un tour dans la commune de Bama, plus précisément dans le village de Sungalodaga. Là, plusieurs infrastructures socio-économiques ont été réalisées par le PEDIS. Le PEDIS a réalisé à Sungalodaga ici une école de 6 classes, plus les logements, et un CSVS, plus la maternité, tout équipé, et également 2 AEPS. AEPS qui veut dire adduction d'eau potable. Voilà, donc plus 3 magasins. Et 3 moulins. Les populations bénéficiaires sont unanimes. La réalisation de ces infrastructures a contribué à impacter positivement leurs conditions de vie. Ce site d'accueil est vraiment formidable. Non seulement tout le village a été loti et en plus, les habitations sont bien construites. Dans l'ancien village, certaines personnes avaient même du mal à avoir ne serait-ce qu'une bonne maison. Néanmoins, les habitants de Sungalodaga, par exemple, souhaitent voir la construction d'un autre collège. En plus de cette doléance, elles plaident pour une augmentation de la capacité des 2 adductions d'eau potable simplifiée. Une augmentation de capacité qui permettrait de desservir parfaitement tous les villages.